Hé hey fils, t'as pas un bifton? Laisse-moi 2 minutes et je te donne ça. Dites monsieur. Quoi? Vous avez un problème? Ça se voit pas, je suis parote et j'adore ça. Vous donnez un coup de main? Pour 20 euros, je peux lui mettre sur la gueule. Tiens, frère. Merci, petit. Ça, c'est un beau geste. T'inquiète. C'est la famille. Je sais d'où je viens et je l'oublie pas. Surtout face à ces gros cons. Et s'il débarque, là, on fait quoi? Je gère. Roule. Ça va être long si tu nous fais ça tout le temps. Ferme ta gueule et roule, je te dis. Pose ça, s'il te plaît. T'as peur de quoi? Ça va, je vais partir en courant avec. C'est mon outil de travail. Je veux pas que tu me l'abîmes, c'est tout. J'ai assez galéré pour m'acheter. Pourquoi tu crois que je roule dans une voiture pourrie? Putain, parce que je suis de la Tessie, je suis con. Ça va, je sais comment ça marche. C'est bon, laisse tomber. Jamal, spécial dédicace. Pourquoi tu me forces quand même à faire ce voyage? Qu'est-ce que je vais foutre les pieds dans le sable de Sainte-Marie? Moi, quand il n'y a plus de bitume, je suis perdu. Et comment t'as fait pour devenir ami avec ce flocon? Ça fait pas 2 heures qu'on est parti, j'ai envie de le tarter. Tu peux rien pour attendre, Jamal. C'est moi qui te le dis. Yes, j'y vais. Je serais capable de m'en prendre au port. Donc on est environ là, bien mal. Et on va jusque là. Dis gringo, t'as pas l'heure hein? Si. Oh tiens, je vais jouer là, c'est du HDMC ça? Non. On dit juste HD pour haute définition. Ah non non. On dit HDMC. Et ça veut dire hey, donne-moi ça. Ou sinon, forte fièvre. C'est bien. Oh. Excusez-moi les gars. Le touriste. Pas toi discuter avec là, là. Passe à toi. C'est juste pour savoir. Vous savez si ce genre de bouteilles sont encore consignées? J'en sais rien, moi. Sûrement. C'est bien ce qui me semblait. Eh ben t'avais raison! Elle est signée pour les cons! Fils de pute! Il se reverra! C'est ça, ouais! Quand tu viens, mon pote! Si j'avais pas été là, on n'avait plus rien! Ils nous auraient tout pris! Toutes mes affaires, bordel! Je ne sers à rien, sérieux! Tu le veux, ton film? Le voilà! Ah, c'est sûr, hein! C'est facile de mettre son pote en galère avec un bourgeois! Mais t'es où, là? T'es mort, bordel! Donne-moi les clés!
suis pas contagieux, tu sais. Rien à voir. Je préfère juste des dragibus. Tu crains. Faut pas dire des trucs comme ça. Pourquoi pas? T'es un ouf, toi. Les fraises Tagadas, c'est la base du monde. L'être humain n'a jamais rien fait de mieux à ce jour depuis les pumps. Ouais, ouais. Sauf que Jamal, c'était les dragibus aussi, hein. C'est clair. Qui fait ça à mort, il en bouffait deux longues. Et tu sais quoi? Jamal, il avait une théorie sur ses merdes. Attends, attends. Je filme. C'est sympa ce que tu dis. Vas-y. En gros, Jamal pensait que les dragibus avaient tous un goût différent selon leur couleur. Un peu comme les M&M's, quoi. Mais tu sais quoi, Jamal? C'est tous le même goût, mon pote. Jamal m'a jamais dit grand-chose sur votre cité. Peut-être parce qu'il avait rien à dire. Je suis sûr que si. Jamal m'a dit que vous étiez amis depuis la maternelle, c'est ça? En fait, il n'y avait qu'une seule maternelle chez nous. Et Jamal, c'était un rêveur. Du coup, depuis qu'on est gauche, j'étais toujours à côté de lui, juste au cas où. Pourquoi? Il n'y a pas de place pour les rêveurs en cité? On peut pas dire ça, non. Ils sont bouffés parce qu'ils sont pas compris. Je pense que c'est partout pareil. J'ai vachement galéré, moi aussi. Ouais, enfin. Une baffe et une insulte, ça n'a pas le même effet. Et toi? Tu es pas rêveur? Moi, non. Mais j'avoue que Jamal m'a fait découvrir des trucs des rêveurs. Toi, t'es dans le cinéma. Ce truc avec Jack Black. Rembobiner la cassette. C'est ça, ouais. J'adore ce réalisateur. Sans Jamal, même pas je serais allé. Et du coup, je suis allé voir les autres films avec la fille de Gainsbourg et l'autre avec Jim Carrey. Et j'ai grave aimé aussi. Je suis en train d'halluciner, là. C'est moi qui ai fait découvrir ce réal à Jamal. Fais gaffe, hein. On pourrait devenir potes. Faut peut-être pas abuser non plus. Vas-y, toi, cette fois-ci, ça m'a saoulé, là. Vas-y toi, il flippera moins qu'avec un rebeu en baggy. Non, non. C'est toi qui y va. Faut que tu t'ouvres aux autres un peu. Sois cool et ça le fera. Allez. Allez. Monsieur, vous avez vu un hôtel dans le coin ? Eh oh, monsieur, je vous parle. Un hôtel dans le bled, y'a ça? S'il vous plaît. La politesse est mère de toutes les vertus, Pichon. Merci. On pourrait avoir deux chambres, s'il vous plaît? J'ai demandé deux chambres, je pense qu'il faut deux clés. Pas de bougnoule ici. Je vais dormir dans la voiture. Je t'ai demandé deux chambres. Combien de clés tu vas me donner? Quoi? Dis, quand tu parles dans ta tête, il y a de l'écho? Combien de clés tu vas me donner? Deux. Eh ben voilà, on voit. Appelle le monsieur pour lui dire que c'est bon. Monsieur, vous pouvez venir. Je voulais te dire merci. Y'a pas grand monde qui a fait ça pour moi. Enfin, y'a personne. À part Jamal. Pas de soucis. Je t'avoue que j'ai pris mon pied. Je t'en faisais le premier pour Lal si je me retenais pas. C'est cool. T'es peut-être pas aussi naze que ce que je pensais finalement. La même, mon pote.
C'est dur, hein? Grave. J'en ai eu des galères, mais là, j'arrive pas. C'est pour ça que je filme le voyage. C'est ma manière de le laisser partir. De lui dire au revoir. Toi aussi, il faut que tu le laisses partir. D'une manière ou d'une autre. Ouais, mais en attendant, il m'a laissé seul. Comme un con. On va finir le voyage ensemble. On va aller la voir, cette mère. J'espère que tu trouveras le moyen de lui pardonner. Qu'est-ce qu'il fout? Ça va? Ça va, ça va. Batman number one. Terrible. Attends. C'est bon. Vas-y. Tu sais comment je connais Jamal? Sur ton court métrage, non? En fait, j'ai fait un court métrage sur l'histoire d'amour dans un cinéma de quartier. J'ai passé des annonces et Jamal m'a répondu. J'avais plusieurs acteurs pour le rôle. Et quand il a lu mon scénario, il était à fond, il m'a donné plein d'idées. À bloc, même quand il parle de la cité, il a été vachement fier. J'ai jamais compris pourquoi. C'est ce qu'il m'a dit justement. C'est d'ailleurs la première fois qu'il m'a parlé de toi et de ta haine pour cette cité. Et à part lui, tu n'arrivais pas à lier d'amitié avec les gens. C'est pour ça qu'il voulait faire du cinéma d'auteur. Pour te prouver, même un mec de cité pouvait être autant ouvert que les autres. Tu sais, avant ton film Jamal, il a bien galéré avec le théâtre. Pourquoi? Il est bon acteur? Tu crois que ça se passe comment quand t'annonces à tes potes de Tessie que tu veux devenir acteur? Tout le bloc se foutait de sa gueule quand tu allais répéter son rôle dehors. Enfin, jusqu'à... C'est quoi? Jusqu'à ton rôle, justement. Ah bon? Pourquoi? Au début, les gars se foutaient de sa gueule. De plus en plus. Ensuite... On était tous fiers de notre pote, parce qu'il déchirait. Il était trop drôle. Et voilà l'avion de chasse qui l'embarque dans ton film. On l'a maté au moins 15 fois d'affilée. Et tu sais comment on l'a appelé après? Non. Jamal Gibson. Jamal. Après ton film, plus personne l'emmerdait. Un jour, j'ai même vu un mec virer des chics qui jouait au foot trop près de lui, pour qu'il puisse répéter son texte tranquille. Attends, attends. Quoi? Regarde où on est. Ça y est, on est au centre. Sérieux? Wow! C'est la première fois que je vois la mer. C'est pas mal quand même, hein? J'avoue. Oh putain! On vous a retrouvé, maître connard, hein? Faites-moi les malins, là, hein?
frappe. Tu laisses toi, mon père. Pas toi. Sérieux, j'ai fait une de ces peurs. Dis Marwan. Quoi? C'est pas grave si je filme plus. Non, c'est bon. Je crois que sur ce coup, on est quitte avec lui. Silence! Moteur! Annonce! C'est une, plan 3, passe 3. Action! On l'a refait.